Salut tout le monde, c'est Dofy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Nouvelle vidéo Parlons Marvel et on est toujours avec Mathieu comme d'habitude. Comment tu vas? Ouais, bonne année tout le monde, bonne santé, que du meilleur parce que bon, c'est. Voilà, vous avez Dofy actif depuis septembre. Moi, c'est quand même ma première vidéo en 2023. Ouais. Enfin, du moins avec Dofy, c'est la première fois que je tourne avec lui en 2023 au moment où je parle. Et voilà quoi, bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, peu importe quand est-ce que la vidéo va sortir, mais voilà, je vous souhaite que du meilleur, tout simplement. Mais voilà, donc du coup, aujourd'hui, pas de partie review, parce qu'il n'y a pas eu de programmes Marvel qui sont sortis récemment. Il y aura des actus, il n'y en aura pas beaucoup, mais voilà, quelques petites actus par-ci, par-là. Ensuite, on va revenir aussi, parce que vu qu'on commence l'année, même si, bon là, on va être limite fin janvier quand la vidéo va sortir, mais on est quand même en début d'année en soi, on est premier mois de l'année. Donc on va revenir un petit peu sur toutes les sorties Marvel qui auront lieu cette année. Alors, faut se dire qu'il y aura peut-être des reports, des reports, tu vois, au niveau des programmes et tout. Ah oui, bien sûr. L'abri. Surtout des programmes qui arrivent en fin d'année, peut-être qu'ils vont arriver finalement en début 2024 ou quoi. Donc voilà, c'est pas sûr à 100%, mais en tout cas, c'est des infos officielles. Ensuite, il y aura une petite partie du préfère qui va être assez compliquée. Hein, elle est pas simple, il est pas simple ce tu préfères de cet épisode. D'accord. Et on va finir avec le hype ou Morbin Time sur What If saison 2. Donc la saison 2 qui va sortir en début d'année. Et en plus de ça, on n'a jamais parlé de What If sur la chaîne. Donc ça va être l'occasion de revenir un petit peu sur la saison 1. De What If, tout simplement. Voilà. Exactement. C'était assez clair. On va commencer avec les actus. Première actu, c'est concernant Spider-Man 2, le jeu vidéo qui va sortir sur PS5. Du coup, la date se précise, même si on ne connaît pas exactement la date, mais on sait que ça va sortir en automne 2023. Alors, Mathieu, je me tourne vers toi forcément, parce que t'aimes bien les jeux Spider-Man. Moi, j'aime bien aussi, mais c'est vrai que je ne joue pas non plus énormément. Nouveau jeu Spider-Man qui sort en automne 2023 sur PlayStation 5. Bah, concernant mon avis, le premier Spider-Man était vraiment très bon. D'ailleurs, j'y ai même joué, franchement, je sais pas combien de fois j'ai refait le jeu de tous les niveaux de difficulté, mais ça pour dire que j'ai trouvé vraiment incroyable. Et d'ailleurs, je trouvais ça cool qu'en plus c'était une histoire différente, parce que là on a affaire à un Peter qui est adulte, hein, c'est pas le début avec l'araignée, paf, il pique, non, là ça fait au moins une dizaine d'années qu'il est Spider-Man. Et ensuite, on a eu Miles Morales qui, alors c'est une très courte anecdote qui va pas durer très longtemps, mais en fait, faut savoir que avant ma chaîne telle qu'elle est, j'avais fait d'autres vidéos avant, et faut savoir qu'avant, j'avais fait une vidéo du 20 minutes où je disais qu'en fait, fallait surtout pas acheter Miles Morales parce que le jeu il a été trop vite fait, et au final, j'ai joué et j'ai supprimé la vidéo direct parce qu'en fait, le jeu c'était de la frappe. Franchement, savoir que déjà, Spider-Man 2, il y aura deux Spider-Man, c'est du jamais vu. Hein. Alors, est-ce qu'il y aura du multi? On ne sait pas. Hein. Le fait d'avoir aussi Venom qui a été confirmé, ça a foutu les fans, mais sur le cul, tout le monde n'était pas prêt, tout le monde a hâte. Et automne 2023, j'ai à la fois hâte, mais c'est parce que j'ai pas la PS5, donc du coup, je vais pas y jouer, je pense. Je vais attendre la version PC, donc je vais devoir attendre un long moment. C'est vrai que je suis quand même hypé pour cette suite. Ensuite, prochaine actu, bon là c'est une actu, alors franchement je vais te demander ton avis parce que là je ne comprends pas pourquoi, mais de toute façon il faut même pas chercher à comprendre. Sony. Alors attends, ah bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est Sony? Oui. Bon bah voilà. C'est... voilà. Non mais là c'est n'importe quoi. Sony qui... ont annoncé qu'ils allaient faire un nouveau film, enfin qu'ils allaient faire un film sur Hypno Hustler. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage, non, parce que c'est lunaire hein, quand même, faut expliquer. Parce que là, il y a des gens qui regardent la vidéo et qui se disent, mais qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle? Alors, comment il s'appelle? C'est... Répète son nom. Hypno Hustler. Hustler. Hypno Hustler. Oh le nom. En fait, le mec, c'est simple. C'est... Il joue de la musique. Alors, non, en gros, c'est un méchant de l'univers de Spider-Man, encore une fois. Hein, Il y a 40 000 méchants chez Spider-Man. Donc, en gros, c'est un méchant de Spider-Man. Et en fait, le mec, son pouvoir, c'est de jouer de la musique et de hypnotiser les gens grâce à sa musique. Et les gens qui sont hypnotisés deviennent fans de lui. C'est Brooke dans One Piece, en fait. Maintenant, donc on est d'accord que le pouvoir est inutile. Et en fait, le personnage est, on va dire, entre guillemets, drôle. Parce que, en fait, c'est un méchant qui n'est pas fort. Et du coup, voilà, ça fait des situations drôles et tout machin. C'est... un méchant de Spider-Man. Dans le film, il n'y aura pas Spider-Man. Est-ce que c'est bon pour vous? À quoi ça sert de faire un film sur un méchant de Spider-Man sans Spider-Man?
Je sais pas. Non, mais Alors là. déjà, Morbius, il faisait genre dans les trailers, il mettait des petits posters de Spider-Man en mode hey, il va avoir Spider-Man et tout. Pas du tout, pas du tout. C'est ah oh, putain, c'est vrai. Kraven aussi, Kraven, le personnage, la définition du personnage, c'est un mec qui chasse Spider-Man. Voilà, c'est le personnage. Dans le film, il n'y aura pas Spider-Man. Donc le mec, je sais pas, il va chasser des lapins, j'en sais rien, mais voilà. Ensuite, il y a Hypno Hustler, mais évidemment, dans le film, il n'y aura pas Spider-Man, hein, parce que voilà, Spider-Man, frère, il joue à cache-cache, je sais pas où il est, mais ils ont les droits du perso, mais ils font 40 Il joue à films sans lui, cache-cache. genre, frère, non mais c'est trop. Non mais. Hey, il joue à cache-cache. Hey, dans Non mais l'espace vraiment, les mecs ils ont les droits du personnage mais ils là. l'utilisent pas. En tout cas, prochaine info plutôt, j'allais dire triste mais en vrai c'est pas non plus très 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 étonnant, bah, un petit peu quand même. Mais voilà, c'est l'info autour de Ah Drax. oui, Je sais pas si j'ai vu. t'avais. Apparemment, Ouais. l'acteur, donc Batista, ça sera son dernier film chez le MCU. Exactement. Donc voilà, en fait, il a annoncé que le Gardien Galaxy 3 sera son dernier film en tant que Drax et du coup, voilà, qu'il voulait faire autre chose de sa carrière. Alors c'est quand même fou parce que l'acteur c'était un catcheur à la base et Oui, maintenant il totalement. fait bah en vrai il fait des bons films. Déjà Army of the Dead qui était sorti un petit moment sur Netflix qui était pas mal. Ensuite il a fait le truc Glass Onion, c'était vraiment vraiment bien. Donc il a fait pas mal de films sympas et là bah du coup en tant que Drax bah c'est la fin. Ensuite quatrième et dernière actu, bon ça fait maintenant quelques jours mais le trailer de Ant-Man Quantumania Dantman. qui montre pas mal de choses, notamment plus de décors dans le monde quantique. Moi, franchement, j'ai vraiment hâte que le film sorte, qu'il soit bien au niveau du scénario ou pas. C'est même pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est juste, c'est ultra Le coloré, c'est monde ultra beau. quantique. Ouais, c'est ce côté-là en fait que j'adore en fait. Moi, j'aime trop ce délire-là de, tu sais, genre d'un monde coloré, genre un peu, bah T'as tu, l'impression c'est des planètes ouais, c'est alors qu'en fait ça, exactement. ils sont juste petits, ouais. Exactement, moi c'est ça que j'adore. Donc voilà, et aussi on a vu un petit peu plus Kang dans le trailer, et du coup on voit que Kang en fait, eh ben, il essaye de ramener Ant-Man dans son camp, en mode, bah voilà, je peux te donner du temps si tu veux, parce que je sais que t'as perdu du temps avec ta fille, etc. Donc voilà, et on sait aussi, bah ça fait maintenant plusieurs temps que ce film-là va être très important pour le Avengers qui va arriver. Bah en fait, le film va être ultra intéressant rien que pour Avengers, tu vois. Ouais, et puis surtout qu'en plus, c'est vrai que j'ai oublié ce personnage parce qu'en fait, j'étais en train de dire, ouais, mais après Kang, il n'y aura plus rien. Mais dans le trailer, MODOK a été confirmé, ça y est, il existe dans le MCU, Oui, première fois qu'on le voit en live. ça va être ouf, ça va être ouf. Non mais Marvel, de toute façon, Marvel ça va continuer, mais là ça va être vraiment bien. Sony ça va fermer, je pense, ils vont faire un kebab à la place parce que ça y est, c'est trop ça. Mais Marvel ça, non mais c'est bon, ouais, ça y est, non mais ça me saoule, mais bon. Donc voilà. Mais en tout cas pour MODOK, j'espère que, parce que moi je me rappelle des comics où il y a MODOK où genre il y avait des pages où tu voyais sa tête en géant qui prenait toute la page, genre c'était vraiment abusé, tu vois. J'espère qu'ils vont faire ça dans le film, genre qu'il y a un moment, il y a une scène Oh où on mon voit Dieu. MODOK en géant avec sa grosse tête qui prend tout l'écran, tu vois. Ce Ouais. serait incroyable. Donc voilà, on va voir s'ils vont jusqu'au bout Frère. du délire. Oh Après, putain. Oh, Sonic Kebab. Oh, Même moi, je m'y attendais pas. Bref, je m'y ensuite, attendais on a fini les actus. On va passer au calendrier de Marvel de l'année 2023. Alors, pour les programmes de 2023, il y a beaucoup de choses. On va revenir un petit peu sur tout ce qui va sortir et tout, histoire que vous ayez les idées un petit peu plus claires. Et puis, même moi, avant de faire la liste, etc., j'avais pas tout dans la tête et tout. Enfin, tu sais, ça s'embrouille un petit peu, tu vois. pas. Ouais. Mais en fait, en faisant la liste, eh bien, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui vont sortir en 2023. Donc, on va faire par ordre de sortie. Et puis, vers la Oh oui. fin, on n'aura pas des dates exactes, mais voilà. Alors là, ça va être. Il y aura beaucoup de choses. Hein. Déjà début 2023, on n'a pas de date précise, mais on sait que c'est début 2023. Il y aura What If saison 2. On va en parler juste après parce qu'on va faire un hype moment in time dessus. Donc voilà, What If saison 2 qui va sortir début 2023. Ensuite, le 15 février, il y aura Ant-Man 3. Donc on en a parlé juste avant avec le trailer. Ensuite, en printemps 2023, il y aura Secret Invasion. Série que j'attends beaucoup parce que ça va être très différent des autres séries, je pense. Je pense aussi, puis surtout que bah ça semble prendre une tournure assez sérieuse, donc Ouais, c'est ça. j'ai vraiment hâte. Et ensuite, alors là, ça va être assez ouf parce que le 3 mai, il y aura les Gardiens de la Galaxie 3. Et le 31 mai, il y aura Spider-Verse 2. Ah ouais, le 31 mai, c'est pas un jour? Ah non, c'est la date des Ouais. États-Unis, ouais, putain. Deux films en mai qui vont être, je pense, assez bien. Dinguerie, dinguerie, Ouais, dinguerie.
c'est voilà, donc là ça va être ouf. Ensuite, Oh là là. on avance un petit peu, été 2023, il y aura la série Echo, on n'a pas de date précise, donc à voir hein, ce que ça va donner. J'ai pas non plus de grosses attentes, hein, je sais pas ce que t'en penses toi, mais à Non, voir, en pas tout cas non ça peut être plus. une Bah, surprise. après dans Hawkeye, c'est, enfin, il me semble c'est dans cette série-là qu'on l'a vu. Ouais. Et bah là, c'est, bah la perso. Alors oui, ok, elle est muette, elle parle des langues des signes, donc ok, ça va être un peu nouveau dans le MCU. Mais en fait, c'est juste ça que je retiens du perso. Ouais, elle sait se battre, mais voilà. En fait, ça dans Hawkeye, vu qu'on a dû faire évoluer le personnage de Kate Bishop, il me semble. Bah en fait, voilà, Echo. Bah après, on a su qu'elle allait avoir une série, donc c'est pas étonnant qu'on la voit peu et Ouais, qu'on c'est n'ait pas ça. trop hypé. Ouais. Ensuite, toujours été 2023, il y aura la saison 2 de Loki. Donc Ok, d'accord. Ah là là. là, Ça va être ça va être incroyable. incroyable, ça va être vraiment incroyable. Toujours en été, le 26 juillet, il y aura The Marvel. Ah Il y a trop de oui! trucs Ah cette là année. Il y a là. trop de trucs cette année, c'est un truc de ouf. Mec, dis-toi que on va regarder Spider-Verse 2 et genre après, il y aura Loki et après, il y aura The Marvel, tu vois. C'est n'importe quoi. Ouais. Ensuite, Putain. là, c'est le film que j'attends le plus cette année qui va sortir le 4 Ah ouais? octobre. Kraven le chasseur. Let's go. Trop bien. Ouais, putain. Oh lol, oh lol, ah, oh putain. Oh, et mec, les CR. Oh mec, la dinguerie. Putain, non, mais on n'est pas prêt. Bon, j'espère que vous avez compris qu'on se fout littéralement de la gueule du film. Oh mais Hein. mec, non mais vraiment c'est terrible. Ensuite, en automne, donc pas loin du 4 octobre hein, finalement. Automne 2023, il y aura la série Ironheart. Alors ça pour le coup, c'est vraiment une série que j'attends. Donc hâte de voir ce que ça va Oui, donner. ouais, je te connais, ouais. Tu me connais, ouais. Ah oui, à chaque fois qu'on en parle, hey, je suis sûr que je suis le seul gars à attendre, et dans ma tête, oui, totalement, tu es la seule personne qui doit Ouais. attendre énormément la Non série, en mais je effet. suis seul. Non mais je sais pas, j'attends cette série, j'ai hâte de voir. Je suis seul, non, je pense pas, en vrai, je charrie, hein, évidemment que beaucoup de gens l'attendent, mais enfin, voilà, je suis assez étonné que tu sois aussi hypé. Bah, après, c'est parce que je pense, voilà, t'adores le personnage Iron Man, et revoir un peu, entre guillemets, la relève, Ouais, que t'as, exactement. toi. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Ensuite, en 2023, là, on n'a pas de date, mais on sait que ça va sortir en 2023. Il y a la série. Spider-Man 2P5. Non, non, non. Non, c'est. Non, là, c'est que des films et des séries. Il y aura la Oui, série ok. X-Men 97, qui est une suite. Oh putain! Ah ouais! Oh là là! Ah, une Ouais. suite! Ah, ça, je savais pas. Ouais, enfin, qui. Ouais, en gros, ça va être la suite de la vieille série bah, X-Men 97, du coup. Ouais. Oh, l'opening, putain. Oh, ça me rappelle l'opening. L'opening, il est Ah ouais, incroyable. moi je me Oh rappelle, là mon là! personnage préféré, je sais plus comment il s'appelle, mais c'était le mec, tu sais, qui faisait des lasers avec ses yeux. Cyclope? Mais mec, je le trouvais trop stylé. Cyclope. Ouais, c'est ça. Je le trouvais trop stylé. En tout cas, voilà, de voir. Et ça va être cool parce qu'ils vont faire une série, tu sais, vraiment comme à l'ancienne, tu vois. Genre, ils vont pas. Ouais, l'anime, peut-être, bon, peut-être pas non plus l'animation d'époque, mais ouais, genre les mêmes couleurs, les mêmes traits, ouais. C'est ça, c'est. Moi, c'est vraiment cette série-là, j'adorais pour ce style-là. Et ensuite, pour finir, alors ça, là, ce sera soit fin 2023 ou soit début 2024. On sait que ça va être dans ces eaux-là. C'est la série Agatha, sorcière de WandaVision. À voir, en tout cas, moi, je sais pas ce que ça va donner comme série, mais hâte de voir, en tout cas, ce que ça va donner. Je suis pas non plus ultra hype par la série, mais voilà. Moi, j'ai aucune attente. Bah, c'est vrai que je viens de l'apprendre qu'elle allait avoir une série. Peut-être que tu l'as dit dans d'autres épisodes avant, mais dans ce cas, je l'ai oublié. Mais ouais, non, la perso, je l'ai pas trop apprécié dans la série, donc à voir, à Bah voir. surtout que je trouve qu'on la voit déjà beaucoup dans la série. Donc en vrai, Ouais, c'est. tu Ouais, vois. dans la deuxième moitié de la série, ouais, t'as raison, mais je sais pas, j'ai rien retenu du personnage. Oui, c'est la méchante, mais voilà, c'est tout. Ouais, non, mais ouais, c'est ça. Puis, je. Non, mais voilà, encore une fois, à voir, même si en soi, j'ai pas trop aimé la perso pour le moment. Et du coup, bah, on a fini avec les programmes de 2023. Donc ça fait beaucoup de choses, hein. Ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, Quinzaine de 7, 8, programmes. 9, 10, 11, 12. Ah, une douzaine, ok. Ah, on voit quand Ça fait même. quand même 12. Alors vas-y, on va relever deux programmes chacun qui vraiment nous hype de ouf. Moi personnellement, c'est Spider-Verse 2. Parce que déjà, rien que le fait d'avoir plusieurs styles d'animation différents, et en plus ça va être très dynamique et tout, je pense, tu vois, vu les trailers et bah, vu ce qu'on a vu dans le 1. Ça, déjà, ouais, voilà ce que j'allais dire. Déjà que le premier était très dynamique, ouais, c'est alors oui, ça. évidemment, le deuxième. Et après, ma deuxième plus grosse attente, là ça va être plus compliqué. Je dirais. Iron Heart. Non, pas. Non, Iron Man, pas à ce point non plus. Genre. Ah bah bien sûr, bah oui, putain, je suis trop con. Sonic Kebab, Kraven le chasseur, bah oui. Non, c'est soit The Marvel, soit Ant-Man Quantumania. Déjà, Ant-Man Quantumania, rien que pour voir Kang et c'est vraiment le vrai début de Avengers, tu vois. Et The Ouais. Marvels, bah, parce que j'adore Captain Marvel. J'ai bien.
bien aimé Miss Marvel, donc why not, tu vois. Ouais, ok. Non, mais ouais, bah oui, maintenant que tu le dis, oui, ouais, je comprends totalement. Eh bien, pour ma part, alors, la première, bon, voilà, sans surprise, Spider-Verse C'est pour ça que 2, j'ai dit deux, hein, ouais. ça va être. C'est juste, encore une fois, alors oui, je suis très hypé, je me donne pas beaucoup d'attentes, parce que voilà, comme ça, je serais pas non plus hyper déçu, mais bon, je dis ça alors que le film, je suis sûr et certain que ça va être une dinguerie. Et enfin, deuxième programme, ouais, c'est vrai que c'est un peu chaud. Bah, étonnamment, je vais dire Loki saison 2. Parce Ok. que, parce qu'en vrai, alors oui, les autres sont hypés, oui, bien sûr, mais c'est vrai que j'ai hâte pour. J'ai pas hâte pour certains, j'ai hâte pour d'autres. Et c'est vrai qu'en vrai, Loki saison 2, c'est, comment dire, ça m'a mis sur le cul, quoi. Enfin, à la fin, la façon dont la saison 1 se termine, elle est incroyable. T'as vraiment envie de voir la suite. Bah, justement, c'est pour ça que j'ai envie de voir la saison 2. Il me tarde de voir la saison 2. De toute façon, globalement, il y a beaucoup de. En vrai, moi, là, quand je vois tous les programmes, quasiment tous les programmes m'intéressent, tu vois. Oui. En tout cas, on a fini pour les programmes de 2023 et on va passer au tu préfères. Let's go! Alors, le duel va pas être Alors, simple. à part. Et c'est ce que j'allais dire. D'après ce que tu me dis depuis qu'on s'est appelé, ça va être très dur comme choix. Après, voilà, c'est. Ça se trouve, toi, tu vas trouver. De toute façon, pour toi, ça va être. Oui, j'ai. Oui. Alors. Mais pour toi, non. Peut-être Ah, c'est un pas. peu compliqué quand même. Attention, on est parti. Est-ce que tu prends la partie bleue ou la partie rouge? Ok. Ah, il y a trop d'éléments. Attends. Ok. Alors, attends. Rouge. D'accord. Et la partie bleue. Alors, oui, c'est vrai que c'est dur, mais j'ai pas non plus trop galéré. Ok. J'ai déjà choisi ma Moi, j'ai team. galéré quand même. Et je vais choisir la team rouge. Voilà, au lieu de la team bleue. Donc encore une fois, voilà pourquoi je vais expliquer. Enfin, ah putain, c'est vrai qu'en vrai c'est chaud parce que là je suis en train de penser aux arguments, je suis en train de dire ah en vrai est-ce que je changerais pas de team? Et non, je reste quand même sur la rouge parce que bah dans j'ai commencé par la bleue. Alors Deadpool 2, bah en fait Deadpool, bah le film en soi il est bien, mais sur le moment en fait c'est vraiment marrant, c'est vrai que j'aime bien, mais avec du enfin au fur et à mesure où le temps est passé finalement c'est ça ce qui est dommage avec les Deadpool, c'est que sur le moment t'adores le film, tu kiffe ta race et en fait bah tu vois tu te rends compte que le film il est pas mauvais, mais tu sens qu'il y a quelques petits moments de mou, que le rythme est cassé, mais voilà. Ensuite Eternals, bon voilà, j'ai envie de dire on a fait un film de 2 heures sur ma chaîne avec Dofi, donc voilà ça prouve qu'on a adoré tout simplement. Et ouais, c'était vraiment une dinguerie les Eternals. Gardiens de la Galaxie volume 2 pareil, c'était vraiment très cool. Et bah d'ailleurs j'ai vraiment hâte pour volume 3, hein, on en a parlé un peu. Et Doctor Strange 2 qui était vraiment très bon, ça faisait vraiment du bien de qu'en 2022 on revoit un coup un film avec une mise en scène. Parce que Wakanda Forever était pas sorti, hein, donc du coup ça faisait vraiment du bien de voir un truc avec une mise en scène. Et en rouge, bah Endgame. Bon bah voilà la conclusion, hein, même si j'aurais voulu que le combat final soit un petit peu meilleur, voilà en vrai la conclusion elle était satisfaisante. Iron Man 3, pour moi c'est le meilleur film de la phase 2. Thor Ragnarok, c'est le meilleur film de la quadrilogie, faut le dire. Love and Thunder, une catastrophe, et le premier et le deuxième anecdotique, donc c'est le meilleur. Et The Amazing Spider-Man 2, qui. Ouais, c'est vrai que The Amazing Spider-Man 2, c'était incroyable. Voilà, c'était mon avis sur le tu préfères. Et maintenant, je te retourne la question, qui vas-tu choisir? Alors, j'ai énormément galéré. En fait, encore une fois, pour rappeler, je fais mais tu préfères aléatoirement, tu vois. Je choisis les films aléatoirement. Et Ouais. là, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Même Covid-19, là, même là l'horrible. encore, je sais pas exactement. En fait, le truc, c'est que déjà, quand je vois ça, il y a deux films qui me sautent aux yeux direct. C'est Avengers Endgame et Eternals, tu vois. Voilà, je le savais, je le savais. Entre les deux, quel film j'ai Oh. préféré? Oh. Bah, en fait, le truc, c'est que d'un côté, il y a Avengers Endgame où c'était incroyable parce que tu vois, tu revois tous les héros de Marvel, c'est la suite d'Infinity War, c'est Avengers, Oui, puis c'est on. Ouais. incroyable, tu vois, c'est spectaculaire et tout ça. Bah oui, puis surtout là, de comparer aux trois autres, tu vois, c'est vraiment le film où on dit au revoir à tout le monde, C'est quoi. ça, la fin de Iron Man, la fin de Hulk en vrai, la fin De Captain de Captain America, America, de normalement la fin Thor de Thor, aussi, parce que mais. bon, Thor 4. Ouais, la fin de Thor du coup, et la fin de Black Widow, tu vois, donc en fait, c'était quand même un film incroyable, mais Eternals, eh ben, pour moi, c'est Oui. un ovni, tu vois, c'est un film qui, c'est un peu l'intrus,
C'est-à-dire que ça, c'est pas un, pour moi, c'est pas un film Marvel, c'est un film, c'est un petit film d'auteur avec un vrai scénario, contrairement à beaucoup d'autres films Marvel, tu vois. C'est, non mais, et en plus, le délire de, c'est des dieux, c'est des mecs ultra puissants, mais pourtant, Oui. c'est ultra humain, tu vois, comme film. Et moi, ce que j'adore, c'est que, Exactement. Dans l'équipe, il y a vraiment de tout, tu vois. Il y a un enfant, il y a un asiatique, il y a un noir, il y a un indien, il y a un blanc, il y a tout, tu vois. Et genre, La préfecture. il y a tu sais, des filles, des hommes et tout. Il y a un mec homosexuel, il y a une fille sourde. Enfin, c'est incroyable, tu vois. Oui, Et en gros, y a vraiment de en tout fait, c'est la quoi. représentation du monde. Et c'est trop bien. Et genre, Bah c'est trop oui, bien fait. je sais pas, ouais. C'est comme tu as dit, Eternals, c'est vraiment une claque visuelle et puis Mais scénaristique. ouais, mais le truc, c'est que Avengers Endgame, on adore, mais on va être en mode, il y a des défauts, tu vois. Il y a des petites erreurs, il y a des défauts, il y a. Ouais, c'est un peu fan service, ouais, mais c'est pas trop logique, le truc dans le passé, machin. C'est fan service, mais ils ont pas le choix. Hein, parce que Bah t'imagines si oui. c'est pas fan service, genre au final ils sont que 6 à affronter Non, mais Thanos, c'est pas c'est ouf. clair. Mais Eternals, honnêtement, là, Eternals, je vois pas de défaut actuellement. Le film parfait. Faudrait que je me le refasse parce que c'est vrai que. Non, je suis honnête, je l'ai pas revu depuis sa sortie au cinéma. Mais ouais, comme ça. Voilà, le fait qu'ils aient réussi à introduire parfaitement 10 persos. Et encore, je compte pas Harry Shum et tout le délire. Hein. Je compte vraiment que les persos Ouais, c'est principaux. Hein. ça, ouais. C'est C'est ultra compliqué incroyable. pour un film d'introduire plein de personnages comme ça, tu vois. Mais non, mais voilà, Eternals, c'est incroyable. Après, pour parler des autres films, Deadpool 2, bah, j'ai bien aimé, mais j'ai pas non plus spécialement adoré le film. Après, Gardien Galaxy 2, j'ai adoré. Et Doctor Ouais. Strange, pareil, j'ai bien aimé, mais j'ai pas non plus adoré. Donc voilà, moi, je dirais la partie bleue. Moi, je prends le bleu parce que, bah ouais, franchement, Eternals. Eternals, c'est compliqué de prendre le rouge alors qu'il y a Eternals dans le bleu, tu vois. Ouais, je Mais vois. franchement, c'est très dur, hein. C'est vraiment compliqué de ouf. Non, mais c'est vrai que moi aussi, j'ai quand même. C'est vrai que j'ai choisi vite, mais c'est vrai que quand j'étais en train de réfléchir à mes arguments, c'est vrai que avec du recul, je me dis putain, en vrai, c'est chaud comme duel. Non, mais voilà, c'est un peu de changement. Parce qu'habituellement, tu sais, les duels, genre, ils durent pas plus de 2 minutes. Là, un bon duel de 5 minutes, même plus. Ouais, pourquoi pas. Donc voilà, bref, en tout cas, on a fini la partie que tu préfères et on va passer au hype ou Morbin Time. Let's go! Alors, on est parti pour le hype ou Morbin Time sur What If saison 2. Alors, déjà, Oui. What If, c'est la première fois qu'on va en parler. Moi, la saison Oui. 1, j'aime pas le style d'animation. Du coup, j'en avais un peu marre et du coup, bah, j'avais pas continué à regarder. Finalement, voilà, je me suis forcé à regarder et la saison 1, bah, en vrai, j'aime pas spécialement What If de ouf. Donc voilà, mais en tout cas, on va quand même parler de la saison 2 parce que bah, j'ai regardé la 1 et du coup, bah, je vais donner mon avis sur est-ce que la saison 2 me hype. Et toi, bah, du coup, vu que t'as pas donné ton avis sur la saison 1, qu'est-ce que t'en as pensé de la saison 1 et est-ce que la saison 2 te hype? Ouais, totalement. Ouais, parce qu'en gros, comment dire, jusqu'à. En fait, les premières séries, c'était l'inverse. C'était moi qui regardais pas les séries, du coup, j'ai dû tout rattraper. Et là, on inverse les rôles. C'est moi qui avais la série dès sa sortie en plus. Et ouais, pour deux filles, il me disait qu'il galérait. Concernant mon avis, je trouve en fait, c'est très simple pour moi. Ils vont pas à fond dans le délire. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple sur le premier épisode avec Captain America. Je vais la faire rapide. Bon, voilà, Captain America 1, vous connaissez son histoire. Steve Rogers, voilà, il se prend le sérum, il devient baraqué, il devient Captain America. Ok, donc ça, c'est l'histoire de base. Et l'histoire sur Captain Carter. Donc, bon, c'est elle qui prend le sérum. Et dès qu'elle a le bouclier, et là, en fait, tu retrouves toutes les similitudes du film de Captain America 1. Sauf qu'en fait, on a inversé le personnage de Steve Rogers et Captain Carter. En fait, il n'y a pas de retournement de situation et ça va pas plus loin que le titre. Genre en mode, le titre c'est et si il y avait une invasion de zombies? Bah tu regardes l'épisode, Bah voilà. ok il y a une invasion de zombies, mais c'est tout. Genre c'est juste. Bah oui, c'est ça. Et puis en plus, tu lui dis, ça peut finir sur une mauvaise note, enfin sur une note inattendue. Bon, il y a juste Doctor Strange où c'est bon. Mais en fait, le problème, c'est que tous les épisodes se finissent toujours bien. Moi, enfin voilà, ça pour dire que la saison 2, je suis pas trop hypé. En vrai, je mettrais D, franchement, hein, parce que la saison 1, c'est une série, tu la vois, mais voilà, tu Ouais, la pareil. vois, mais c'est une série, tu la vois dans les genres de moments où, genre, t'es en train de recopier un devoir, un exo, et en même temps, tu regardes un truc. Ah non, mais pour moi, c'est ça. Hein. Tu mets un épisode si ça te saoule, et voilà, ça y est. Non, bah non, pareil. Donc voilà, What If saison Bah 2. voilà.
en D. Donc voilà. Bref, en tout cas, on a fini pour le Hype Moment Time. La vidéo dure 1h05. C'est quand même assez fou. En général, c'est ce qu'on fait Ouais, en 50 c'est. minutes, une heure. Donc voilà. Le dossier du Hein. montage va mourir voilà, sur le montage, hein, littéralement. Faudrait qu'un jour on regarde un film Sony et comme miniature, parce que je vous invite à aller voir sur ma chaîne, toutes mes miniatures c'est de la merde. Enfin, en fait c'est bien, mais c'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Du coup, je me dis, faudrait qu'on regarde un petit 4, un film Sony de nul, et je mettrai Sony Kebab sur la miniature. Et évidemment, la chaîne de Mathieu est en description. Ah, bien sûr, voilà. Ah, Évidemment. quelle transition! Évidemment. Allez voir ses C'est vidéos qui fort, c'est sont fort. incroyables, même s'il sort une vidéo par an. Au moins, c'est incroyable. Oui, bon, allez, là, je vais quand même essayer de garder le rythme, Allez. une vidéo par mois, voilà. Allez, Voilà. let's go, let's go. Donc voilà, bref, en tout cas, on espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, donc Likez, on a parlé plein de choses. abonnez-vous. C'était plutôt cool. Écoute, Mathieu, je te laisse faire l'outro. C'est parti. Ah, c'est nouveau? Ouais, Ah, je te ok, laisse faire d'accord, l'outro au calme. ok. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Dofi. Voilà, soutiens-lui, force à lui. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne. Voilà, il devait avoir une vidéo au mois de décembre, mais il y a eu un petit problème. Donc, du coup, il y en a pas eu. Et bon, vous inquiétez pas, je vais revenir aussi. Et voilà, en espérant que la vidéo vous aura plu, partagez-la également, ça ferait super plaisir. Et nous, on vous dit à très bientôt pour un prochain Parlons Marvel. Salut, à bientôt.